bayobozi b'inzego z'igihugu cyacu bavandimwe muteraniye hano rubyiruko bana bacu dear Bruce Clark esteemed friends of Rwanda mwiriweho tariki ya 8 mata 2019 twari hano dutangira ku mugaragaro w'ubusitani bw'urwibutso uyu munsi tukaba twongeye guhurira hano mu gikorwa cyo gutaha umurimo mwiza twakoze hano hantu ndetse tunakomeza kwibuka abacu bishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 akenshi bavuga ko ubusitani ari ikimenyetso cy'ubuzima kandi nibyo koko nubwo ubusitani butashye uyu munsi bubumbatiye amateka yacu atuvuna iyo ubuye amaso ukabona ubwiza bw'ahantu nuko hatoshye wumva umutima uruhutse banyakubaha muteraniye hano babyeyi bavandimwe rubyiruko bana bacu ngurwo rero u Rwanda twubatse muri imyaka 28 u Rwanda twubaka dukunze kandi tuzanakomeza kubaka ndetse no mu gihe cy'izuba rikakaye cyangwa se ibihe bigoye tunyuzwamo ruzakomeza gutohagira munyemerere nze kugira icyo mvuga mu rurimi rw'amahanga kugira ngo abashyitsi bacu nabo babashe gukurikira ubutumwa bw'uyu munsi chers invités chère jeunesse rwandaise votre présence aujourd'hui votre implication dans cet exercice de commémoration et de défense de notre histoire, l'agonie d'un dernier souffle d'un million de victimes nous en dit tellement sur l'âme de ce pays. Soit qu'il fût un jour atrophié par une division préméditée, un stratagème d'individus et d'institutions assoiffées de pouvoir, qu'il fût un jour incendié par une haine fondée sur une pseudo-science, une manipulation de notre histoire et culture sociale, que la perception de l'appartenance ethnique fut en notre passé utilisée comme un bouc émissaire pour tous nos conflits et dilemmes sociaux, ce pays que nous aimons tant est aujourd'hui uni. Il est uni dans la détermination d'honorer ceux qui ont payé de leur sang pour cette déchirure injuste, lâche et barbare. Mesdames et messieurs, le Rwanda est effectivement ouvert vers le monde. Mais comment nous assurer, chers invités, que ce monde est adéquatement informé pour qu'à son tour accueille et collabore avec notre jeune nation unifiée? Pourquoi le génocide contre les Tutsis, un crime contre l'humanité, ne serait-il pas enseigné à l'école, basé sur les faits présentés par ceux qui l'ont vécu et ceux qui ont reconnu leur crime? Comment peut-on nous assurer que le rejet de la haine ethnique soit inclus dans le curriculum de nos enfants pour que plus jamais ne soit pas réduit uniquement à un slogan des journées commémoratives? Nous devons absolument empêcher la rhétorique haineuse et rétrograde de ceux qui opposent le pays, le progrès de notre patrie de se répandre au sein de notre pays et au-delà de nos frontières pour prévenir la récurrence de cette gangrène meurtrière. Nous nous battrons pour déraciner de notre riche sol retrouvé toute trace de haine ethnique. Nous refuserons que les paroles des négationnistes souillent l'étoile de nos vies. Nous nous opposerons à l'empoisonnement de notre patrie et de sa terre qui nourrit ce jardin. Chers survivants, nous serons toujours à vos côtés. Et nous ne cesserons jamais de défendre votre histoire qui est la nôtre avec l'authenticité, l'intégrité et la dévotion qui vous sont dues. Le jardin de la mémoire des victimes du génocide contre les Tutsis est certes entretenu et préservé par les mains vertes et les cœurs aimants de tous ces architectes et paysagistes qui lui ont donné la vie telle que notre cher Bruce Clark. The soul behind this garden. Thank you, Bruce. Et merci à tous. Mais ce jardin se nourrit aussi de notre serment que l'inimaginable ne se reproduira plus. C'est pour honorer cette promesse que l'on choisit de se rappeler, non par résignation, mais par courage, par devoir.
kubacu twibuka urumuri rwanyu ruzatumurikira iteka igihe cyose twiyemeje kwibuka no kubumatira amateka yacu ntimuzazima bibaho abahakana urupfu mwishwe bafite urugendo rurerure kandi rutazagira aho rubageza chers amis aujourd'hui sur note que j'espère plus lumineuse nous nous tournons aussi vers l'avenir armés de leçons que nous avons su en tant que pays apprendre de notre passé douloureux nous reconnaissons ainsi bien combien l'amour l'harmonie et le patriotisme peuvent honorer le combat de nos survivants et le triomphe de l'unité sur la haine. Chers invités, peu importe votre position géographique ou la langue dans laquelle vous vous exprimez le mieux, tant que le Rwanda est votre terre mère ou celle de vos ancêtres, tant que vous désirez l'unité et l'harmonie pour notre pays, le Rwanda vous offrira toujours un sanctuaire de l'affection et de la protection. Le voyez-vous, chers amis, combien ce jardin est en effet une métaphore parfaite pour la vie et en particulier notre survie. Combien les plantes, honorables invités, il importe peu que l'eau que nous recevons soit parfois boueuse. Ce qui compte vraiment, c'est que nos fleurs poussent malgré tout, pétales tournés vers le soleil. Aujourd'hui, chers invités, nous devons aussi réitérer et même revisiter la promesse que nous avons faite il y a de cela 28 ans, et que nous avions promis d'honorer quand nous plantions ce premier arbre, il y a 3 ans. Nous n'arrêterons jamais de rechercher plus d'informations sur ce que nous avons perdu, et nous n'arrêterons jamais de célébrer les efforts et les sacrifices des héros vivants et défunts qui ont fait le vaillant choix de défendre le droit de chaque Rwandais de vivre en paix au Rwanda. Ces hommes et femmes debout auxquels les splendides murailles silhouettent de ce jardin rend hommage, et ces Rwandais qui ont refusé de mourir à genoux nous rappellent tous les jours à travers la fertilité de notre chère terre qui est malheureusement accueillie prématurément que tant qu'il existe toujours une miette de vie, nous nous devons de nous battre pour plus de survie et pour plus de progrès. Babyeyi bacu, bavandimwe, bashyitsi turi kumwe uyu munsi. Ubusitani bwatekerejwe buhereye ku mateka mabi ya Jenoside yakorewe Abatutsi yadusigiye ibikomere byinshi. Uyu munsi twese dutewe ishema n'uko twabashije kubirenga nubwo hari benshi bakiri kure muri runo rugendo. Nk'uko abadutambagije ubusitani babigarutseho ngira ngo na Minisitiri Bizimana yabivuze umunyinya uteye muri ubusitani ni ikimenyetso cy'ubudaheranwa ku Banyarwanda niryo shema tugendana rituma tudashinjagira dushira igishanga kitwibutsa byinshi nk'abanyarwanda kuko ubukonje n'isayo y'ibishanga yabereye benshi ubuhungiro babona bukira batyo buri buye ryateretswe muri ubusitani rishushanya ubuzima bw'abacu twabuze arabo twashyinguye n'abo tutagize amahirwe yo gushyingura kuko kugeza uyu munsi hari abakoze jenoside cyangwa abandi bafite amakuru banze gutanga kugira ngo tubashe gushyingura abacu mu cyubahiro bakwiye icyifuzo cya buri wese ni uko ubusitani bukomeza gutubera ahantu hadufasha kwibuka no kwiyubaka chers survivants chers rwandais chers fils et filles de notre pays dans ce jardin existe de l'amour pour vous, de l'estime pour votre bravoure et une nouvelle promesse d'assurer que plus jamais nous ne revivrons la souffrance qui nous amène ici aujourd'hui. Cet amour, ce respect et ce serment vivent à travers chaque fleur, chaque plante, chaque pierre, chaque symbole qui nous entoure. Puissiez-vous trouver du réconfort ici. Puissiez-vous utiliser ce jardin pour vous enrichir en connaissances sur notre histoire. Et puissiez-vous être inspiré par ce jardin et par la vie qu'il respire à vous battre pour notre cher pays contre les négationnistes, les déserteurs et contre ces brebis égarées. Bavandimwe mwese muri hano bafatanyabikorwa nshuti z'u Rwanda, urubyiruko rwacu, ku bafatanyabikorwa bacu
abanditsi n'inshuti z'u Rwanda mwese mukomeza kubana natwe mu rugendo rwo kwibaka no kurinda amateka yacu nta wabona uko abashimira dukomeze rero gufatanya kubwira isi ngo bizongera kubaho ukundi never again dukomeze gushyira hamwe kugira ngo ibikorwa nk'ibi bibumbatire amateka yacu binadufasha kwigisha abato byiyongere igihe cyose tuje muri ubusitani bwo kwibuka bijye biduha imbaraga imbaraga zo guhobera ubuzima no kugirana isezerano n'abacu ndetse n'igihugu ko tutazahwema kurwanira u Rwanda murakoze ugira umunsi mwiza